Ma Mission TV, le miroir du monde. Musique est bête, nous tournions sur la piste. Ah ouais, ma camarade qui docteur et santé. Ali centenaire et bandeliba, milulu ya centenaire ya école nabiso, kotanga na Congo central na Tumba. Ma Mission TV, le miroir du monde.
révérends frères visiteurs, les frères des écoles chrétiennes, monsieur le directeur de la cathédrale, chers membres du comité organisateur, distingués invités du protocole respecté, chers frères et sœurs dans le Christ. Nous célébrons aujourd'hui la proclamation de Saint Jean-Baptiste de la Salle comme le patron céleste des éducateurs catholiques. À cette occasion, nous lançons les activités du centenaire de l'Institut Tumba Kunda Janzai. Nous allons recommander au Seigneur toutes les activités qui seront organisées pour que, grâce à son Esprit Saint, que cela soit une réussite totale. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu tout puissant. Les anges et tous les saints, et vous aussi, mon frère, et priez pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, qui c'est le Saint, et sans que ni l'homme n'est bon, accorde-nous à la prière de Saint Jean-Baptiste de la Salle. Être à droite ou à gauche de Jésus.
sages et soient agréables. Qu'ils purifient nos corps en même temps que nos esprits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Notre Seigneur, que la vie toujours les forces de ton Église par la foi à notre manifestation. Et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous humilie et leur prière pour tenir nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et les saints, nous proclamons ta gloire ensemble. Et le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
distingués invités en vos titres et qualités, je prends la parole au nom du comité d'organisation. Nous venons de suivre l'Eucharistie, qui est déjà à sa fin, mais nous allons accorder la parole à deux personnalités. D'abord, le révérend frère visiteur, le sommet de circonstance, et ensuite, son excellence, monsieur le président de la République, s'il a une mot à dire, il pourra le faire. Et après ces mots, nous tous, à Saint-Réfère, nous savons que le 15 mai, il se chante toujours l'hymne de Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Et après l'intervention de son excellence, monsieur le président de la République, les Assemblées vont chanter l'hymne de Saint-Jean-Baptiste de la Salle. La suite du programme sera donnée après ces interventions. Je vous remercie. Chers frères visiteurs, je prends la parole. Sont arrivés au Congo par Goma, au
Congo central le 5 octobre 1909. Les Boumans, ils vont rapidement essaimer et s'installer successivement à Kinshasa, Koumba, Bamania, Mbandaka, Kamou, Gombe Matadi, Matadi, Itibo, Bikoro, Konzo, Kidwa, Lubumbashi, Wadoliti et Mbazamungu. Aujourd'hui, les frères des écoles chrétiennes au Congo ont des œuvres éducatives à Kinshasa, au Congo central, Koumba, Matadi et Boma et à Mbandaka. Ils ont su garder jalousement depuis plus de 100 ans leur vitalité au service de la jeunesse congolaise, comme l'indiquent les statistiques suivantes. Nombre de frères, 61. Communauté de frères, 8. Novices, 5. Postulants, 15. Élèves, plus ou moins 35 000. Éducateurs et personnels ouvriers, plus de 800. École, 31. Centre de formation 3, université 1. Quant à l'arrivée des frères à Koumba, tout est parti en 1920 quand Mgr Hens de la congrégation des très saints rédempteurs, communément appelé père rédemptoriste, préfet apostolique de Matadi résident à Koumba, avait demandé aux frères des écoles chrétiennes de venir à Koumba pour s'occuper de l'éducation des enfants. C'est donc en 1921 que la demande de Mgr Hens trouvera satisfaction. Parmi les pionniers de cette jeune veuve, nous pouvons citer les frères Auguste et Ferrand-Charles de Tourneur. En 1922, un troisième frère, le frère Jean Van Dyck, appelé Kaka Diego, viendra se joindre au groupe pour ainsi former un trio. Celui-ci passera 50 ans dans la communauté de Toumba comme missionnaire. À leur arrivée à Toumba, nos frères pionniers devaient faire face à plusieurs aléas, conditions de vie très mauvaises, logement indécent, exposition aux maladies d'origine endémique et hydrique, climat non adapté à celui de la Belgique, etc. Grâce à leur foi et à leur zèle ardent, nos voyants et intrépides missionnaires ont su tenir bon. Ils ont gardé leurs larmes allumées jusqu'au dernier soupir. Ils n'étaient pas abattus comme ceux qui n'ont pas d'espérance. 1 Thessaloniciens 4:13. Ils étaient tout simplement des hommes de foi, d'espérance et de charité. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Son Éminence le cardinal Fridolin Ambongo, ici représenté par son vicaire judiciaire. Monsieur le directeur de la cathédrale Notre-Dame du Congo. Révérends amis et révérends pères, chers frères et chères sœurs, chers assemblées, chers enseignants et chers élèves, mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectives. Comme je l'avais souligné lors du lancement officiel des activités du centenaire de Toumba, avec la présence et sous la direction ininterrompue des frères, l'Institut Toumba Kounda Design, situé à cheval entre les cités industrielles de Koulimoumou et de Lukala, fête ses 100 ans d'existence au cours desquels des générations entières de jeunes y ont été formées par des mains expertes. On ne peut donc tarir de l'orge sur Koumba, car grâce à la qualité de l'éducation et de l'instruction qu'il a offerte, des milliers d'hommes et de femmes ont été largués sur les marchés d'emploi, faisant ainsi sa fierté et son honneur. Oui, l'œuvre éducative des frères des écoles chrétiennes. Amen.
zala na mwasi te soki miziki ezo beta mutu nyonso na piste awa makambo ki docteur eza te makambo ki avoka eza te makambo ki comédien lokola ba masumu de brende eza te banini nyonso tu eza te tolakisa basango na biso tolakisa frère visiteur ke toye kosepela centenaire ya tumba na biso maboko mpona bino nyonso ale tout le monde à la piste et puis nazosilisa mpona koloba na bino oluka bozwa mitifi te moto yakobima wa te soki masanga nyonso oyo ezali awa soki esili te bozala te botika kotalaka lobola kaka bozotala misiki bozobeta bozobina mpe bozomela masanga eza ebele bokende bisika oyo ezali kino kolangwa merci beaucoup le 15 mai ezali journée oyo ezali consacré na frère oyo Saint Jean Baptiste de la Salle oyo asala congrégation oyo eza na ba école catholique alabiso sikoyo lelo ezali centenaire ebandeli ya ba milulu ya centenaire ya école na biso kotanga na Congo Central na Tumba Institut de la Salle après comment qui kunda diazai alors bah nous sommes on a toujours bas génération bas génération bon on a qui président tu sais que dit na chilombo na na église poyepe atanga qui kunda na internat depuis ce toujours bas na totangi na internat discipline internat pour la mukatongo tongo prière étude puis kaka ndenge wana voilà donc salut les londe inauguration il y a centenaire il y a école na biso ya Tumba. Wali loba na ba ancien ya Tumba lokola yo tani na Tumba. Ngai oui, ngai moko nazali pe ancien ya Tumba. Soki boyebi ngai na musala na ngai ya théâtre, eh bien musala wana na banda théâtre ya solo solo oye confirma ki ngai le 15 mai 1967 na Tumba na internat. To sala ki pièce monene lokola fête kaka boye. Alors tout ça là qui pièce au bengi la farce de maître Patelin. Donc c'est là qu'a fait tout le col à boyé. Babengi ça qui bat bauta qui na qui pèse Luca Lambanzangungu Mindele pe batumuini. Merci. Merci. Ben l'essentiel a été déjà dit à la messe. Mais ce que je peux vous dire pour nous c'est une grande joie. Hein. C'est une occasion de joie parce que 100 ans ce n'est pas peu de choses. Et fêter 100 ans pour une œuvre éducative, cela montre qu'il y a du travail qui a été fait. Bien sûr, il y a encore du travail qui doit être fait. Et la grande joie que nous avons, c'est d'avoir été honoré par Son Excellence, je cite, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est notre ancien élève de Tumba,
qui étaient présents à cette messe. Et comme je l'avais souligné, l'œuvre des frères de l'école chrétienne au niveau du Congo en général et à Toumba en particulier a porté des fruits escomptés. Hein, vous savez, notre pays a connu 5 présidents depuis son accession à l'indépendance. Et parmi ces 5 présidents, 3 sont passés entre les mains des frères, dont l'actuel président, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi. Donc c'est une fierté pour nous. Et il y a un travail qui s'est fait, il y a encore à faire. Et si vous parlez des recommandations sur la réussite totale de ces centenaires. Ah oui, je dirais que c'est une réussite totale. Comme vous le savez, en principe, on devait ouvrir ce centenaire l'année passée. Comme nous le savons, avec cette pandémie qui secoue notre monde, on ne pouvait pas le faire et on devait attendre. Et nous avons profité de cette date du 15 mai, qui est la date à laquelle nous célébrons, c'est une date à laquelle Saint Jean-Baptiste de la Salle a été déclaré patron céleste de tous les éducateurs chrétiens. Et aussi nous en avons profité pour lancer de façon officielle par une messe la célébration, disons, les centenaires de Toumba Kounda Diazaï. En fait, Kounda Diazaï, ça veut dire siège de la sagesse. Quand on dit Toumba Kounda Diazaï, ça veut dire Toumba a toujours été considéré comme siège de la sagesse. Et je pense que cela est vrai. Aujourd'hui, nous avons un grand homme qui est au sommet de l'État, Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, qui est sorti de là. Donc Toumba est réellement le siège de la sagesse. Merci, c'est tout. Hein? C'est moi qui vous remercie. Mission TV, le miroir du monde.